J'écoute et je repère. Le son aïe ou le son œil. Aïe, quand il y a A-I-L, A-I-2-L-E. Ou le son œil, quand il y a E-U-I-L, E-U-I-2-L-E. Et dans un épouvantail. Épouvantail. Une feuille. Une feuille. Exercice 1. Tape, écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Chandail, chandail. Treuil, écureuil, muraille. Donc, on chauffe chacun la même syllabe. On écrit le nombre de syllabes. Kif Malfin. Chandail, chandail, deux syllabes. Treuil, une syllabe. Écureuil, écureuil, trois syllabes. Muraille, muraille, deux syllabes. Exercice 2. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. Et là, je vois le son qui se répète. Il y a un son qui est en chemin de syllabes. On va cocher la case les filles. Hades mitou corail, corail, éventail, éventail, vitrail, vitrail, portail, portail, écureuil, écureuil, chevreuil, chevreuil, portefeuille, portefeuille, fauteuil, fauteuil. Donc, le son qui se répète, ou le son aïe ou le son œil. Yada ou yada. Corail. Corail. Quand c'est mouf, la deuxième syllabe. Donc, on coche la deuxième syllabe. Et ventail. La troisième syllabe. Vitrail. Vitrail. La deuxième syllabe. Portail. La deuxième syllabe. Écureuil. La dernière syllabe. Dis maradin smouf la dernière syllabe. Chevreuil. Portefeuille. Fauteuil. Donc dis maf gadoukoulhomf la dernière syllabe. Exercice 3. Entoure le groupe de lettres qui donne le son I. Et là, on va entourer le groupe de lettres qui donne le son I. La volaille. Volaille qui donne A-I, 2-L-E. Le vitrail. A-I-L. Vitrail. La salle. Un fauteuil. L'aile. Le bétail, la balle, l'éventail, la cisaille, un treuil. Exercice 4. Dis les mots et encadre ceux qui contiennent le son œil. نقراو الكلمات وغادي نقطرو اون فا اونكادري الكلمات اللي فيهم لو سون اي اي شيفروي شيفروي عندنا اي يعني غادي اون فا اونكادري هاد لو مو فوي فوي حتى هي فيها لو سون اي حتى هي اون فا لونكادري maille, seuil, seuil, fille le son, œil. Maillot, feuilleton, feuilleton, fille le son, œil. Feuilleton. Rail. Exercice 5.
entoure les mots qui contiennent le groupe de lettres œil ou œil. On va entourer les kalimat li fihom œil ou la œil. Deux L E. Un fauteuil. Adna fiha œil. Donc, ouhid hal kalima. Un écureuil. Fiha htahiya œil. Un détail. Une feuille. Dawru aliha. Le seuil, c'est hier. Je vais l'entourer. La maille là. Je lis et j'écris. Exercice 6. Lis les syllabes et les mots. Ankraou les syllabes, le makata ou le kalimat. Aï, l'aï, un bétail, du travail, un éventail, des rails, un bail. Aïe, des mailles, la paille, la bataille, une médaille, la volaille. Œil, le seuil, un écureuil, le treuil, un chevreuil, le fauteuil. Œil, une feuille, un portefeuille, un feuilleton, feuilleté. Exercice 7. Lis les phrases, puis souligne celles qui correspondent au dessin. Maintenant, les phrases, on va les lire et choisir la phrase qui correspond à le dessin. Phrase A. Le grand-père est assis dans un fauteuil. B. L'écureuil est caché sous des feuilles. La phrase C. La maison a un grand portail. La phrase D. Le poisson a des écailles. La phrase qui correspond au dessin, c'est la phrase C. La maison a un grand portail. Ah, où est le portail? La maison a un grand portail. Donc, on va souligner la phrase C. Exercice 8. Lis le texte. Amadou est un petit artiste. Sur des feuilles, il dessine un écureuil et une caille. Bravo l'artiste, tu as réalisé un tableau magnifique. Les mots outils, elle a bravo ou elle a magnifique. Bravo l'artiste, un tableau magnifique, magnifique. Exercice 9. Et l'écriture, donc l'écriture rahabina. On va écrire le travail, non, le seuil ou la phrase. Le bétail est couché sur la paille. Non. Il joue, regarde un feuilleton à la télévision.